Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais pourquoi donc? Mais enfin, mais pourquoi sont-ils? Mais non. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon Dieu. Ça joue en version petite, c'est voilà, c'est comme ça. Ça se, c'est le beau jeu, le beau geste. Regarde, ils jouent en chibi. Mais vous êtes sérieux les mecs? Complètement ça. Allez. Et dégage de là. Et puis ils avaient dit ils jouaient Yoshi Princesse, ils ont joué Yoshi Princesse. Voilà, c'était écrit, c'était prévu. Non mais après voilà, je suis pas un G-son, mais je sais me servir d'une console de son. C'est juste que voilà, à la base c'est pas ma spécialité, on va dire. Donc quand j'ai du Momoto entre les mains, même si les consoles de son c'est un peu toujours le même public et des petites subtilités tout ça. Enfin bon, et du coup ben voilà, hein, Shadow qui a profondément envoyé dans les choux son adversaire qui est en train de le rattraper violemment. Alors là je pense qu'on est du coup en 50 cm cube de facto à cause des persos en mode éclair. Oh là 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 là, oh là 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 là, oh quelle erreur, oh mais quelle erreur. Oh c'est terrible. Oh c'est complètement terrible. Oh je sais pas s'il va s'en remettre là. Et voilà. Et Shadow qui arrache la première. Ah c'est pas Shadow, c'est Narnet. Narnet qui arrache la première victoire. J'avais oublié de sauvegarder, excusez-moi. Qui l'arrache complètement de la belle manière. Le beau jeu, le beau geste sur la fin. Donc ils ont décidé de jouer en 50 cm cube, c'est ça? Enfin 50 cm cube, c'est pas comme ça qu'on appelle ça, c'est qu'ils jouent en petit, voilà. C'était effectivement un deal entre eux. Avec Yoshi et la princesse. Ouais, ouais, c'était un deal entre eux. Mais du coup la vitesse elle est réduite par rapport au mode. Ouais. Oui, légèrement réduite. Ouais. Ah, il a essayé de dégommer la carapace de Yoshi avec une carapace, c'est. Bah, du coup quand t'es plus petit, t'es plus dur à toucher aussi, hein. C'est un choix. Un choix. Pour répondre à ta question, Joe, j'ai craint que ce soit quand même assez difficile à mettre en place. De toute façon, après la 8e journée, ce qui arrive bientôt, c'est la prochaine. Donc après la prochaine journée, j'annoncerai le classement. Enfin, il faudrait plus simplement que je fasse un Google Doc. Comme il y aura une pause de 10 minutes après la 8e journée, je prendrai le temps de faire le Google Doc avec Yamato. Ce sera beaucoup plus simple. J'ai déjà créé le fichier d'ailleurs dans le drive. Ouais. Et comme t'es déjà a priori c'était logué sur mon Gmail, ouais. Tu auras accès directement. Ok, bah donc on verra ça après la 8e journée. Voilà. Après la 8e journée, il y aura un Google Doc. On profitera de la pause de 10 minutes pour créer le Google Doc, comme ça le classement sera. On pourra même le partager sur le channel en fait. Voilà. Ouais ouais. Ouais, c'est bien ça, le futur. Donc un petit peu de patience. On va y arriver. On y arrive. Au troisième jour, on sera bon. Ouais, que 10 minutes. Oui, donc ils ont décidé, c'est leur délire, voilà, c'est leur trip entre eux. Oh. C'est une question d'honneur même. Voilà. Ah mais c'est pour le show, on profite de ces 8 premières journées pour montrer un petit peu de choses différentes. Oh justement, voir ça, même s'il joue en petit en Yoshi Princesse, voir ça, c'est tellement beau. C'est ouais. Ça qui est beau. Mais à partir de la 9e journée, donc les cadors seront entre eux. Donc là, il y aura du lourd de diffuser. Du moins sur la TV, bah oui, la TV1, c'est la TV1 qui est streamée. La TV2 est réservée à Patrick. Voilà, mais de toute façon, en fait, de temps en temps, tu vois, ils postent ça et comme ça, ils peuvent voir les deux streams en même temps, côte à côte, choisir lequel ils mettent en grand écran et tout. Donc ça leur permet de choisir un peu les matchs, c'est cool. Manque plus que les scores et là, on sera top qualité. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe quand on est déjà petit et qu'on chope un éclair en fait? Bah, c'est une très très bonne question. Je sais pas si je me demande si la vitesse n'est pas réduite quand même. Allez Narnet, active ton éclair là. On veut savoir.
Le peuple a le droit de savoir. Normalement, la vitesse est réduite. Ah bah déjà, de toute façon, tu te prends voilà le stun, tu perds des pièces. Et effectivement, t'es... ouais, bah, t'as... voilà. On verra si Darnay, de toute façon, revient comme ban. Non, il revient pas du tout, non. Et bah, en fait, on ne verra rien. On voulait voir et si tu pouvais l'écraser, hein, mais non. Allez, je confirme Chris Cat, hein, je connais Banana depuis un paquet d'années. Et je vais vous quitter puisque bah, je le vais premier donner le score arrive. Allez, ça y est, ça rattrape. C'est un éternel recommencement. Banana qui se remet à 1 à 2 pour l'instant. Et peut-être possibilité de faire égalité. Hein, un draw fratricide entre les deux là. Allez, le fantôme, il faut histoire de piquer un item. Mais enfin, attends, piquer l'item du premier, c'est pas très intéressant. Ou alors il le dépasse, effectivement. Et quand l'autre récupère un item, il se met bien. Il se met bien. Non, il peut voler les pièces, voilà. Bon. Et Narné, pour l'instant, qui se fait un petit peu mener par le bout du nez par Banana, qui le nargue là d'un petit peu devant. Oh, a priori ça devrait pas finir à 2h du matin je pense aujourd'hui hein. Bon, là ça tourne bien en plus grâce au filet de Joe, le tirage est super rapide, les matchs s'enchaînent très bien. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Ah là là. Voilà, voilà. De partout. Une belle poignée de main pour un beau match. Un beau challenge.